Yo les gens, c'est le Poul, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur Modern Warfare 3. On part en élimination confirmée. Je vais jouer avec l'UMP. Je vais tenter de faire une MOAB. Parce que je m'étais même pas rendu compte que j'ai presque fait carbone. Une MOAB avec toutes les armes, enfin toutes les mitraillettes du jeu. Et là vous allez me dire, ouais, mais t'as choisi de faire ça avec les mitraillettes parce que c'est les plus efficaces comparé aux fusils d'assaut. Mais non, faut savoir que je jouais essentiellement, excusez-moi, avec les mitraillettes, même sur les anciens Call of Duty où l'équilibrage des armes était un peu meilleur, tout simplement parce que j'aime bien rusher dans le tas, etc. C'est pour cela que voilà, même si on aura sur Black Ops 2, si on aura une nuque ou un truc comme ça, je pense essayer de refaire le même style de série. Et ben voilà, et à nouveau avec les mitraillettes, et parce que les fusils d'assaut, j'aime pas, parce que quand on rush, on a plus de ah, j'arrive plus à parler. Je disais, on a plus de chances de se faire exploser au corps à corps avec un fusil d'assaut qu'avec une mitraillette. Même s'il faut dire que là, les mitraillettes sur Modern Warfare 3 sont très efficaces comparées aux fusils d'assaut, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vais peut-être changer les titres des anciennes MOAB en live et peut-être mettre, je sais pas, je mettrai un titre genre qui a du style, genre MOAB Live PM9 ou je sais pas, je verrai ça. Arrêtez de me stresser, j'ai largement le temps. On est parti, voilà, sur Outpost, de nouveau la même map pour celle que j'avais fait, la P90. Je vous invite à la voir si vous l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez tous vu. Purée, c'est quoi ces soldats d'élite? Mais les mecs, ils font deux pas et ils sont morts. Je veux dire, mais quand ils sont extrêmes, ça change pas beaucoup plus. Les mecs, ils sont fatigués au bout de 2 cm de sprint, alors qu'on est censé avoir des soldats d'élite. Viens là, mon ami. Je vais pas te chercher parce que tu vas m'exploser. Je sais pas où ils sont. Prends ta balle, merci, j'ai du mal à viser. J'ai pas envie de prendre la truc de pillard, oui, je sais. J'ai tué Atomic Fenrir. Ah, oh, j'ai cru que c'était Fenwick. Viens là, bolos. Claymore, explose. Allez, respawn. Oh, si tu respawn pas, ok, c'est tout ça dedans. Ok, j'ai fait un peu le ménage. Je t'ai vu. Oh, Pwned, bolos. J'aurais dû pas dû détruire l'insertion comme ça. Enfin si j'aurais pas détruit l'insertion, le mec il aurait risque. Non. Pourquoi ça existe, la migration d'hôtes? Oh, et ça me saoule. Non, me quitte pas de la partie. Voilà, démarre. Oh, beau gosse, il a démarré la partie. Attention. Modern Warfare 3, les gentils avec moi aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Ah, ils sont tous là-bas au fond. Je vais me faire exploser. Ce sont mon sniper. Prends ta balle, merci. Même ton headshot, ça fait encore plus plaisir. Vas-y, toi. Chef, t'es un homme. Ah, y'a un prédateur, il a tout scan, je crois. Ok, le mec, il a déjà un... Oh, j'ai eu peur la flash. Le mec, il a déjà un hind avec nous. C'est tant mieux. Genre, oh, le coup de lag, vous avez vu ça? Pourquoi je suis pas mort? Je sais pas. En tout cas, je me suis chié dessus parce qu'il y a un de ces coups de lag de malade. Je suis en spécialiste, on va se calmer. Ok. Putain, je m'en fais peur, toi. Me colle pas, je déteste ça. Oh putain! Il y a un mec de la A7X avec moi. C'est pas le truc à Diablo X9, non? En tout cas, beau gosse, voilà. C'est un mec de la team à Diablo X9, la Semtex m'a pas tué, pourquoi je ne sais pas. J'aurais dû mourir. Je sais pas où est-ce qu'il sent. Alors l'UMP c'est quand même la meilleure des armes, vous pouvez me dire ce que vous voulez. L'UMP c'est l'arme de beau gosse. Et en plus elle est pas cheatée contrairement à certaines passes. Ah fuck. Non, 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 non. Je déteste les paralysants, c'est cheaté comme truc honnêtement. Hein. Oh, dernière balle, elle a pris. Non! Non! Me kill pas! Semtex for the win! Boum! Oh, ça a vraiment fait un frag. Je suis un beau gosse, j'ai fait un frag à la Semtex. J'ai fait un frag à la Semtex. Comment j'ai galéré! Last stand! Tiens, je te cut parce que t'es mort. Ouais. Donc, je. Oh, les dégâts quand même, 32 à 6. C'est pas rien. Ce n'est pas un chiffre anodin, mes amis. Oh, j'ai mis un headshot, il y en a un deuxième, mais j'ai peur. Alors, je me barre comme un bolos. Mais je ne me colle pas, Gérard. Voilà.
J'aime pas les gérards qui viennent et qui vous collent et comme ça vous galérez à faire des frags. C'est toujours chiant. Hein. Je vous le cache pas, c'est le truc qui me fait le plus rager, c'est les gens qui vous collent et qui vous empêchent de fraguer tranquillement. Il y a un qui fait plus rager que ça. Ah, ok. Pas d'insertion, rien. Ouh, ils sont dans le tunnel, vous avez vu. En plus, il y a plein de trucs à la sortie là. Je vois la clé mort et le truc. Enfin, non, c'est quoi? C'est une bêtise, non? Parce que c'est. Purée, j'ai peur. Je vois personne. Si, non. Non, j'ai personne. Vas-y, Gérard. Ken-les tous. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Moab, je vous ai owned the bitches. Oh putain, il y en a deux là. Ah, ah, Crave. Ah, il y en a un deuxième, un troisième, non. Ah, fuck. J'ai tout mis à côté, je suis un bolos. Moab, oh voilà. J'ai pas envie de me faire ken là quand même. Comme un clochard. Voilà mes amis, la série Moab avec les mitraillettes touche à sa fin. Ok, toi je t'ai vu monter. Il est où? Là. J'espère que vous aurez pris un plaisir avec moi à regarder et à suivre cette série. On va un peu jouer plus les objectifs maintenant. En tout cas, bah, moi, c'était avec un énorme plaisir que j'ai fait cette série, même si c'était pas vraiment le but de la faire. Je m'étais même pas rendu compte que je m'étais lancé dans une mini-série comme ça. En tout cas, bah, moi, j'ai vraiment pris plaisir à la faire. Je sais pas si vous avez bien aimé à la regarder. Je la ferai pas avec les fusils d'assaut, tout simplement, parce que les fusils d'assaut, c'est pas mon truc. Et voilà, bah, c'est tout. Okay, le coup de lag. Et comme je disais, sur Black Ops 2, si il y aura une nuque ou un truc du genre, je tenterai à nouveau avec les mitraillettes, comme je disais, parce que les mitraillettes, c'est le truc que je kiffe. Ramasser la médaille. Et ma note. Oh le bolos. Bolos, pourquoi t'as pas tiré? J'enchaîne quand même pas mal, je trouve. Hein. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de niveau en face. Si on regarde les mecs que j'ai kill, ils avaient tous des ratios, enfin je parle de ratios, je voulais parler et dégage échelle, je voulais parler des grades des mecs, ils étaient ok. Mais mec, cherche pas, j'ai recopro. Où est la femme Ken avec ses akibo? Ah je n'ai plus rien à dire si ce n'est que ben merci pour tout votre soutien, parce que c'est vrai, je dis jamais ça, j'ai jamais de trucs, mais merci à tous ceux-là qui me soutiennent, qui commentent mes vidéos. Même si vous les commentez pas et que vous mettez pas de like, le simple fait que vous les regardez, ben, ça me fait déjà énormément plaisir. Hein. Et ben, je pense que c'est à peu près pareil pour tous les youtubeurs. Je veux dire, voilà, ça fait toujours plaisir. Ok, bolos, toi t'es mort. Je disais que une médaille. What the fuck, c'est quoi ce qui a explosé? Ah! Je disais que ça fait toujours plaisir d'avoir des vues, même si parfois certaines vidéos ne l'obtiennent pas toutes les vues, parce que c'est vrai que ça intéresse pas tout le monde, par exemple quand je fais des gages, des trucs en recherche et destruction. Mais merci à tous pour votre soutien, pour votre fidélité et tout ça. Je sais que j'ai pas 150 000 abonnés non plus, mais je tiens quand même à vous remercier, c'est vrai que je le fais quasiment jamais. Mais voilà, je devrais quand même le faire plus souvent. Putain, je les enchaîne hein. Je les victimise quand même, hein. C'est un truc de malade. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de niveau. Regardez, j'étais même stun, j'ai réussi à lui mettre un headshot. Bon, c'était un headshot de coup de chance, mais c'était quand même un headshot. On a terminé cette partie, voilà. Ben voilà, ben, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, pardon. Les remerciements sont faits, ben, je le répéterai jamais assez, merci, c'est grâce à vous si je suis encore là aujourd'hui et que je continue mes vidéos, parce que ça me fait vraiment plaisir de commenter, etc. Je termine quand même sur un 47-0, c'est quand même pas mal du tout. C'est vrai que si à la fin j'avais pas joué le relectif, j'aurais peut-être plus joué un peu le frag, mais bon, c'est pas trop mon truc. En tout cas, je fais un I love you à petit à toute la lobby, personne répond. Ok, c'est pas grave, on me déteste. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je dis pas ça souvent, mais vu que là c'est quand même le thème de la série, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens qui aimeraient bien voir des petites séries comme ça. Et ben voilà, ben c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, portez-vous bien et ciao les amis!